Je viens d'enterrer ma patronne. Santé à Madame Nézri. Que ton âme repose en paix. La team Charlie officielle, vous êtes où? Venez. Menez arrête. Je veux quatre morceaux. Voilà, là je suis heureuse maintenant. Mon sang commence à circuler maintenant. Mon sang circule correctement. Voilà. Why you move your name?
Go, go.
Je suis arrivé. Je suis en train de faire mon petit live. Après, je me repose. Benin Akeraben. Allez, c'est que hier, Benin Akeraben. Allez, c'est que hier, Benin Akeraben. Allez, c'est que hier, Benin Akeraben. Venez, on va danser le zézé. Hein? Bon, soyez salués, c'est maman Félix, toujours imperturbable. Bon, je suis là. Je vous avais dit que j'avais perdu ma patronne, on vient de l'enterrer. Voilà, elle a fait son temps, elle a bien vieilli, elle a eu plus de 80 ans, donc elle a bien profité. Elle a eu des jolis enfants. Voilà. Donc, vous savez, chez les Blancs, là, c'est pas comme chez nous, hein. Où on fait les galipettes. Digbata, boulou. Digbata, boulou. Digbata, boulou. Il n'y en a pas là-bas. Ici, là, c'est faut te saper. Donc, ce matin-là, nous, on était sapés. Voilà. Parce que elle a fait son temps. Donc, elle est partie dormir tranquille. Ben, c'est nous qui sommes au chômage, c'est pour nous qui est grave, sinon elle est partie. Donc, je viens là. Je n'ai pas mis mon portable là pour vous parler de deuil. Hein. Voilà, je n'ai pas mis mon portable là pour parler de deuil parce que moi, je ne vais pas attirer le malheur sur moi. J'ai travaillé avec une personne, bon, elle m'emploie, c'est tout. Mais quand tu passes du temps avec une personne, c'est tout à fait normal. Donc, je fais 4 ans avec elle. 4 ans, voilà. Donc, sinon, il a déposé mon portable comme d'habitude, maman Félix. Voilà. Maman Félix, moi, je suis là pour la politique. Je suis là. Il a parlé de mon zouzouro. C'est pour ça qu'il a déposé mon portable. Non. Adieu, la TikTok est trop doux. Il a dit, je suis au cimetière et puis mon cœur fait quoi? Je vais rentrer. Elle, la présidente d'honneur, j'ai dit, mais il faut que je rentre. Pas un TikTok là, actuellement, là, c'est qui se passe sur TikTok là? Il a dit, ça chauffe mon cœur comme ça. Il a dit, je suis heureuse comme ça. Il a dit, je me sens dedans comme ça. Il a dit, je suis là et puis il a dit, Dieu de mon patron est bon. Le Dieu que Zadig Bappé Grégoire prie là. Il est bon. Marie Trivesse, Dieu de ton patron, il est bon. Dieu de notre patron, il est bon. Son Dieu est fort. Le Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, l'éternel des armées, celui qui a donné le souffle de vie à chacun de nous là. Il est bon. Priez Dieu. Priez toujours Dieu, mon papa Nikes. Guy Nikes, comment tu vas? Il a dit, priez Dieu. Quand vous êtes là, vous réveillez le matin là. Il a dit, matin là, j'étais pressé même temps. Je n'ai même pas prié mon Dieu. Sinon, tous les matins, il a dit, je confie ma journée à Dieu avant de sortir de chez moi. Parce que l'homme derrière qui on se trouve là, ce n'est pas n'importe qui. Zadig Bappé Grégoire, il n'est pas camarade de quelqu'un. Il a dit, le patron de la team Charlie officielle, Zouzou Wawa, petit génie de quoi, pour Monsieur Koulaté là, il n'est pas camarade de quelqu'un. Son Dieu qu'il prie là. Il a dit, il est là-haut.
Le Dieu des addicts, Bappé Grégoire, est là-haut. Son Dieu, là, il est là-haut. Parce que on le dit et on va continuer de le crier. Le président Charles Blé Goudé n'a pas vu sa mère. Il a dit, il n'a pas profité de sa mère. Donc, nous sommes des femmes. Et puis, on dépose nos portables et puis on lui dit que nous, on est derrière toi. Donc, dites-vous que quand nous, on parle pour lui, là, il y a l'esprit de sa mère qui nous couvre. Il y a l'esprit de son père qui nous couvre, qui nous protège. Donc, tout ce que nous disons là, Dieu a la main dessus. Il a dit, Dieu des addicts, Bappé Grégoire, c'est le Dieu d'Israël. Dieu des addicts, Bappé Grégoire, c'est le Dieu de Jacob. Dieu des addicts, Bappé Grégoire, c'est le Dieu de Moïse. C'est l'Éternel des armées. C'est de ça que je parle. C'est pour ça que je suis venue m'asseoir là. Sinon, femme blanche là, elle, c'est mon parent. Il a travaillé avec elle et puis c'est fini. Elle est partie. Je suis au chômage. Marie Sylvain va me donner à la... Elle va me donner à manger. Pourquoi elle me pincer? Donc je bois. C'est pas liqueur. Famille. On peut... Quelqu'un peut être doux comme ça. Bon, attendez. Parce qu'il y a la team Charlie qui s'est remariée. La team Charlie s'est remariée. Parce que chaque jour que Dieu fait, la team Charlie s'est mariée. Voilà. Donc, la team Charlie, on s'est déjà mariée. On était parti. On a pris direction Portugal. Actuellement, là, nous, on est au Portugal. Quand on est quitté là-bas, on allait directement chez les abeilles là-bas, à Dukrou. À Dukrou, mange à Keke, ça boit de l'eau. Gris, on s'est marié. Elle s'appelle Yvonne. Ma grande soeur, comment tu vas, ma grande? Elle s'appelle Yvonne. La team Charlie s'est remariée encore. Nous, on s'est mariés tout le temps. Donc, ma chérie Yvonne, quand tu vas tomber sur ce live, c'est maman Félix, toujours égale à elle-même, imperturbable. C'était pour te souhaiter la bienvenue dans le domaine des addicts Bappé Grégoire. Le domaine privé. Sois la bienvenue. Donc, hier, on s'est remariés. Donc, c'était son entrée hier. On l'a applaudi. Bravo. Mais je suis venue là, famille. Vous n'êtes pas au courant. Vous ne savez pas ce qui se passe sur TikTok là-bas. Moi, je suis Papato. Je suis venu vous rendre compte. Je suis venu vous dire que vous qui nous suivez sur la toile ici, là, il dit, ne doutez surtout pas des petits genoux de pont. Vous qui nous suivez sur la toile ici, là, l'homme sur qui vous devez mettre votre confiance, là, c'est Zadig Bappé Grégoire. Vous qui nous suivez sur la toile ici, là, dites-vous que lui, à qui le président Koudou Laurent Gbagbo a donné sa politique, là, c'est Zadig Bappé Grégoire. Vous qui nous suivez sur la toile ici, là, si ce n'est pas 2025, là, ça sera 2030, là. Celui qui va gouverner ce pays-là au calme, là, c'est Zadig Bappé Grégoire. C'est lui. C'est lui-là le moins de Dieu. C'est petit génie de quoi? C'est lui-là que Dieu a choisi pour qu'il gouverne ce pays-là. Ma copine! Ma copine, comment tu vas, ma copine? Je suis arrivée, mais il fallait que j'écris un peu. Santé à tout le monde, je vous aime de tout cœur. Désolée si je suis en noir, et puis le noir, c'est la couleur préférée des Français. Donc moi, j'aime beaucoup cette couleur-là, parce que même si tu es noir, comment tu n'as qu'à ressembler à Chambord, mais une fois que tu t'habilles, dans le noir, ça fait sortir ton petit teint. Et puis, voilà, c'est la beauté. C'est la couleur préférée des Français. Donc, ne tenez pas compte de ce que j'ai porté ce matin. Je me suis même barré les yeux. Parce que je suis en joie. Ah, est-ce que je vois sur TikTok là? Donc, vous voyez, j'ai mis Louis Vuitton dans mes yeux comme ça. Et puis, j'ai dit, attends, il y a quoi? C'est Louis Vuitton que j'ai porté comme lunette. Parce que nous, on est des bourgeoises. La team Charlie, là. Zadig Bappé Grégoire, il n'a rien. Mais c'est un désigné. Donc, quand tu parles pour lui, là, il faut que tu sois élégant. Quand tu parles pour Zadig Bappé Grégoire, il faut que tu sois élégant. Donc, actuellement, là où je suis là, je suis dans l'élégance comme ça. Actuellement, là où je suis là, il y a des dieux en train de parler. Actuellement, où je suis là, où vous me voyez là, c'est Bordeaux qui me gagne comme ça le 26
octobre de ce mois-là, le président Charles Blé Goudé sera à Bordeaux. C'est Nimo, c'est gâté. Dieu béni, c'est gâté. Dieu béni, c'est Nimo. C'est Nimo. Vous qui fraîchissez aujourd'hui pour prier pour Zadik Bappé Grégoire, je vous love. Continuez dans vos prières. Vous qui priez pour notre président, pour le patron de la team Charlie, là, il a dit, je vous dis merci. Je vous dis un grand merci. Continuez de prier pour Charles Blé Goudé. Continuez de prier pour Zadik Bappé Grégoire. Continuez de prier pour l'enfant loyal. Continuez de prier pour notre fierté. Continuez de prier. Continuez de fléchir genoux. Priez pour Zadik Bappé Grégoire. Priez pour Zouzou Wawa. Priez pour, il y a des poteaux électriques dans l'eau. Priez pour doucement attraper Fumisu Kolatié. Priez pour lui. Continuez de prier pour lui parce qu'il y a Dieu dans son affaire. C'est moi qui dis ça. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans l'histoire de Blé Goudé. Il y a Dieu dedans. Blé Goudé n'est pas camarade de quelqu'un. On le dit. Mais quand on vient interpeller nos camarades d'ici, vous pensez que nous, on est là, on veut se montrer. Nous, on est là, on veut se faire voir. Moi, je ne cherche pas à me faire voir. Parce que moi-même, on me voit déjà. Je ne passe pas inaperçu. Donc, je ne cherche pas yeux. Ce n'est pas pour yeux que je suis. Pareil, je suis déjà dans yeux. Parce que je suis une artiste. Nous, on n'a pas peur du public. Même quand il y a un président même qui est assis là, on te donne le micro, tu vas aller chanter. Donc, il ne cherche pas Dieu. Il dit, je suis derrière un génie. Je suis derrière un désigné. J'ai dit, je parle pour une loyauté. J'ai dit, je parle pour une dignité. J'ai dit, je parle pour le panafricain. Charles Blé Goudé. C'est de lui là que moi je parle. Je suis venu vous dire, vous qui nous suivez depuis combien d'années là, c'est à vous que je suis venu rendre compte. Vous avez appris ici, à partir de 2021, le président Laurent Gbagbo n'était même pas, il n'avait même pas encore pris la route même pour aller en Côte d'Ivoire. Et puis nous tous, on a commencé à parler sur la toile ici. On a commencé à défendre ces leaders-là. On était soudés, collés, serrés. Voilà quelque chose. Voilà quelque chose. On ne sait même pas où c'est quitté. C'est venu tomber entre les cyberactivistes comme ça. Boum, ça nous a divisés. Ça nous a divisés là. Il y a des gens sur la toile ici. On a l'impression que vous avez eu la chance. Vous, vos parents sont riches. Mais nous autres, si nos parents n'ont pas eu l'argent pour nous mettre à l'école, on se demande même si c'est vos problèmes. Dès qu'un cyberactiviste insulte le président Charles Blé Goudé, on dépose nos caméras, on vient parler. Oh, c'est vous là, vous qui êtes nos parents. C'est vous qui partez, c'est vous qui courez, c'est vous qui faites chat noir, c'est vous qui devenez des petits rats. C'est vous qui partez parler à nos collègues cyberactivistes. Et ces personnes-là se permettaient à rentrer dans nos vies privées. Je les vois avec moi ici. Une jeune dame que je ne connais pas, qui s'appelle Clarisse Nekpo. Je ne la connais pas. Mais un de ces quatre matins, comme ça, elle a déposé sa caméra. Elle a commencé à insulter elle-même son propre frère. Ceux qui sont amis à Clarisse Nekpo, là, envoyez-lui ma vidéo. Parce que nous, là, on n'est pas de mauvaise foi. On n'est pas méchant. On n'est pas de mauvaise personne. La fille, on ne la connaît même pas. Elle a insulté le président. On a déposé nos caméras pour dire, mais c'est ton frère. C'est ton frère ivoirien. On laisse même côté bêté. Mais c'est ton frère ivoirien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché, ma chérie? On a eu affaire. On a eu affaire. Voilà Christelle Nazi. Voilà Sonaki. Voilà moi-même, ma grande soeur. Voilà, à l'époque, on était avec la Zomprote. Voilà la Zomprote. J'ai tous les voix ici. Après, même qu'elle a laissé tout cela, elle nous a pris possible. Tous les matins.
Jusqu'à même elle rentrait maintenant dans nos téléphones. Elle nous appelle. Et puis j'ai mes parents ici qui partaient sur ses directs. Qui lui donnaient nos biographies. Elles sont comme ça. Elles sont rentrées ici. C'est des chanteuses de funérailles. Wobu Adigba. Tout ce que je lui ai dit là. Il dit, nous là, nous ne sommes pas tes ennemis. Lui-même que tu insultes là, il n'est pas ton ennemi. S'il a fait prison là, ça a quoi Ouattara. Donc nous tous là, notre cible là devait être Ouattara. Vous qui avez accompagné Clarisse Nepo, vous ces cyberactivistes là, vous les gens qui suivez Koudou Rang Bagbo aujourd'hui, vous les gardes des cyberactivistes de PPRCI, qu'on a avec vous là, qu'on a avec vous là, ça veut dire qu'on doit détester son frère ivoirien. Qu'on a avec Koudou Rang Bagbo là, on doit détester son frère ivoirien. On doit mettre tous les goulas dans le même lot. Qu'on a avec vous là. Qu'on a avec vous là, on doit détester son frère ivoirien. Pourtant, Koudou Rang Bagbo ne nous a pas appris ça. Dans le gouvernement de Koudou Rang Bagbo, il y avait des goulas, il y avait des nordistes dedans. On ne sait pas ce qui s'est passé dans notre pays. Et puis ce monsieur-là s'est retrouvé en prison. On dit le président Charles Blé Goudé, c'est un xénophobe. Ils ont traité ces deux personnalités-là de toutes sortes de morts. Non. Maman Simone a été frappée copieusement. Elle a été mise en prison 7 ans. On ne doit pas être unis. Chacun ne viendra pas pour pleurer sur le pôle de son ami. On pouvait se soutenir. Mais nous, là, quand on nous prend, là, ma copine Sonaki, même, oh là là, même là, elle-même, quand on la prend, même là, on la décotique comme ça, vrou, on la dépose ici. Nathalie, même, on dit, c'est une voleuse. Nathalie va, elle rentre dans la chambre de ses camarades, elle vole. Moi-même, je suis une sidienne. Vous ne nous connaissez pas. Ça veut dire que la fille, là, c'est vous qui l'avez montée. Sinon, à votre avis, pourquoi Clarisse Nepo va déposer sa caméra et puis venir insulter le président Charles Blé Goudé? Qu'est-ce que le président a fait à Clarisse Nepo? Mais c'était vous, les gens de PPRC. C'est vous qui avez monté cette dame-là. Elle t'a descendu le président Charles Blé Goudé sur la toile ici. La présidente Marie Niaou. Laver ce monsieur là matin, midi, soir. Clarisse Nepo était, elle a interdit le président Charles Blé Goudé, faut même pas te rendre à Garébré parce que c'est mon village. Le président Charles Blé Goudé qui était ici des parties. Qu'on avec vous, vous les gens de PPACI, qu'on avec vous là, on n'a qu'à détester nos frères ivoiriens. Voilà nous ici. On a commencé à parler sur les réseaux sociaux ici. Lagui Chérif a commencé à distribuer nos vidéos qu'on fait par là-bas entre nous, les gars. Là, lui, il prend ses piles, les RADP se moque de nous. Il a aimé nos manières de parler. Parce qu'on a parlé jusqu'à 2021, 2020 là-bas et 2019. On nous voit comme ça. On suivait ces gens-là. C'est nous, on mettait nos portables pour venir insulter nos préférés. On ne connaît rien à la politique. Mais tout ce qui nous tombait sur la langue, là, on vient, on insulte. On a insulté jusqu'à... Mais quand on a insulté là, c'est pas Koudou Rang Bagbo était à la haie ici. Mais le monsieur, il est rentré, il dit que Ouattara, c'est mon frère. Moi, Félix, depuis que le 17 juin 2021, il dit, si je vais parler, je ne sais même pas quel injure même à l'égard de Ouattara. Je ne sais pas ce que je lui avais dit. Quand je viens sur mes portables, j'ai dit criminel, c'est comme ça. Il a dit depuis que Gbagbo est rentré, puis il m'a dit que Ouattara, c'est son frère. J'ai déposé mon portable, il a dit le président Ouattara, pardon. Je suis désolée. Je ne savais pas que c'était le frère de mon papa que j'insultais. Désolée. Je ne savais pas que c'était le frère de mon papa que je traitais de criminel. Désolée. Vous avez, vous les gens, les personnalités de PPACI, vous faites, vous, moi, jusqu'à, mais il y a un même qui s'est permis un jour qui est venu sur notre panel. Et puis la présidente Sonaki a interpellé ce monsieur-là. Il dit, lui, il a une personnalité de PPACI. On parlait
Et puis il dit, oui, même si Clarisse n'est pas insultée, Blegoudé, elle vous a insulté là, mais aujourd'hui, là, elle parle bien de Babou Laurent, elle parle bien d'elle, de, insulte Ouattara. Donc nous, là, tous les injures, là, ça, c'est les injures à l'égard de Blegoudé, là, nous, on s'en fout de ça. Ah, hier, là, elle insultait Blegoudé, vous vous en fichez. Hier, là, nous, là, elle nous insultait, nous qui sommes ses propres soeurs, nous-mêmes, qu'elle n'a jamais vu. Clarisse n'est pas, ne nous connaît pas. Vous les mêmes là. On a commencé à sympathiser ici. Elle a dit, chérif, la même Clarisse, elle a dit, nous, on est devenu RADP. Blegoudé, il est devenu RADP. Le fait qu'on cause avec la dit, chérif, là. Qui me ouga? On dit, on est devenu RADP. On a l'impression que la dit, chérif, là, ce n'est pas un Ivoirien. Pour ça, là, ça méritait. Pendant 2 ans et demi, Clarisse, il y a tous les voix, il y a tous les vidéos ici. Aujourd'hui, là, le Dieu des Zadig Bappé Grégoire, le Dieu que nous prions, il est là-haut. Je viens d'enterrer. Est-ce que vous savez ce qui peut tuer quelqu'un? Vous savez ce qui peut tuer quelqu'un? Le fait de prendre le temps d'insulter des gens que tu ne connais pas là, on pouvait piquer une crise. On pouvait se donner la mort. Le président même pour qui nous parlons là, il pouvait se donner la mort. Mais c'est parce que nous étions sur la toile ici. On repostait. Notre maman qu'elle ne connaissait pas, la Clarisse, c'est partait descendre la culotte de notre maman. Je n'ai jamais fait une vidéo pour insulter sa maman. C'était vous les gens de PPRC. C'était vous les gens de PPRC. Voilà vous aujourd'hui, la fille a dit. Elle ne veut plus. Elle ne veut plus que vous parlez dans son oreille. Elle dit, elle est fatiguée. Elle dit, elle est fatiguée que vous l'enculez. Avec les injures. Elle dit, elle parle ivoirien. Elle dit, maintenant, il s'agit de Côte d'Ivoire. Elle dit, j'ai besoin de mes frères ivoiriens. Ce n'est pas parce qu'ils sont nordistes. Moi, je suis bête. Ma copine, Marie Sylvestre, c'est ouais. Marie Niaoui, c'est ouais. Il y a Gukuru, il y a Gouro, il y a tout le monde dans la team Charlie. Il y a Gula. On est tous des Ivoiriens. Je vais passer aujourd'hui, mon frère Gula va me saluer là. J'ai dit non, comme c'est Ouattara qui est au pouvoir, tu n'es pas mon frère. La team Charlie a commencé à rassembler les Ivoiriens. C'est nous, on a envoyé ça sur la toile ici. C'est la team Charlie des Zadig Bappé Grégoire. C'est nous, on a dit à nos frères nordistes là. C'est nous, on a enlevé la peur là dans leur cœur. C'est nous, on leur a dit que nous sommes des frères. À force de parler, à force de répéter matin, midi, soir. Nous, on fait panel aujourd'hui et puis nos frères nordistes montent dessus. Et quand ces personnes montent, on nous dit, on vous aime. Vous êtes des belles personnes. C'est notre langage là qui a attiré l'Agui Chérif. Clarisse n'est pas restée loin comme ça. Elle a vu ça comme ça. Elle dit, hé. Mais je suis dans quel combat même? Combat de la haine? Combat pour chasser mes propres frères? Combat pour dénigrer? Combat pour insulter? Je ne veux plus mener ce combat-là. C'est Clarisse, ce n'est pas à cause d'elle, vous faites milliers de panels. Parce qu'elle dit qu'elle refuse d'insulter maintenant. Donc c'est pour elle, vous les gens de PPRC, c'est pour elle. Vous faites des milliers de panels. Mais hier quand elle insultait là, elle était votre jockey. Elle dit elle n'insulte plus. Elle dit, elle ne veut plus insulter Blegoudé, elle ne veut plus insulter tous les cyberactivistes de Blegoudé. Souvent même nous-mêmes on fait des directs, on l'attaque. Mais elle n'est plus jamais sortie pour venir nous attaquer. Vous voyez? Vous avez poussé Kone Tigane. Kone Ahmed Tigane, vous l'avez poussé. Clarisse n'est pas en train de vomir là-bas. Elle dit c'est vous qui l'avez empoisonné. Que si le président Laurent Gbagbo vient au pouvoir là, vous vous promenez avec le poison.
C'est ce que vous dites aujourd'hui là. C'est ça qui est en train de révolter Ouattara. Le même langage que nous on avait sur nos panels, sur nos vidéos là. Clarisse, ce n'est pas le même langage aujourd'hui. Apparemment, elle s'est rendue compte. Elle a fait un faux combat. Donc, si vous, là, pour qui elle a insulté hier, là, si vous êtes en train de la haïr, vous êtes en train de la rejeter, là, ses frères ivoiriens qui sont en train de l'épauler, là, vous êtes en train de la traiter de RADP, de la même manière que vous avez traité le président Charles Bleu Goudé de RADP. Vous voyez où vous amenez la Côte d'Ivoire. Il fallait que nous, là, parler de la violence. La team Charlie, là, lorsque nous, on dépose nos caméras, là, on a qu'à dire, Ouattara, il faut mourir. Mais pendant ce temps, c'est Ouattara qui donne l'argent à Nadi. Et puis Nadi nourrit Gbagbo. Pendant ce temps, Nadi a dit, pour qui vous vous battez là? C'est Nadi qui travaille pour Ouattara. C'est Nadi Ali qui a pris coup de Laurent Gbagbo. Vous travaillez avec quelqu'un, vous êtes aux côtés de quelqu'un qui a pris, qui a la capacité de craquer son doigt comme ça, et puis le nom de coup de Laurent Gbagbo sera sur la liste. Vous laissez tout ça là, hein? Et puis vous utilisez les enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à rentrer dans les injures. On n'a qu'à s'insulter et Nadi avance. PPSI, vous êtes méchant. J'ai mal parce que moi je ne suis pas une personne, je ne suis pas de mauvaise foi. Quand je vois aujourd'hui que cette dame là, elle a placé sa caméra, elle a déshabillé le président Charles Bleu Goudé, c'était pour vous. Vous voulez la tuer. C'est à cause d'elle que vous faites des milliers de panels. Vous voulez la tuer. De la même manière que vous avez tué Kone Tigane, vous avez poussé Kone Tigane à insulter le président Charles Bleu Goudé jusqu'à le monsieur ne sait pas. Vous là, vous êtes rempli d'une haine. Vous les gens de PPACI là, vous êtes tellement haineux jusqu'à. Parce que la fille là, elle a dit ça. Le fait que Kone Tigane a placé sa caméra un jour et puis elle est venue défendre le président Charles Bleu Goudé là, ça là c'était dans votre cœur. Vous êtes rapproché de lui. Il est où? La fille dit qu'il est dedans. Comme vous ne savez pas où la trouver, juste mais il y a d'autres même qui disent on va chercher son domicile, où elle habite en Belgique, on va la trouver là-bas. Vous voulez la tuer aussi parce qu'elle refuse d'insulter. Elle dit elle est fatiguée d'insulter les gens. Vous êtes dans la violence. Vous menez un combat de haine. C'est dans ce combat-là que le président ne veut pas rentrer. Le président Charles veut gouverner ce pays-là. Il ne veut pas devenir chef du village. Il ne va pas se promener avec la haine comme ça. Le président Charles Bleu Goudé dit que la haine n'arrange rien. La haine, ça n'arrange rien. Dès que vous voyez que quelqu'un est en train d'insulter le président Charles Bleu Goudé, c'est vous les vieillards de PPACI, là, vous courez, vous rentrez dans le portable de ces personnes-là. Et puis vous les poussez. Allez-y, parlez. Allez-y, insultez Bleu Goudé. Vous avez insulté le président Charles Bleu Goudé jusqu'à le nom de Koudou Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Vous avez utilisé les enfants dignes de la Côte d'Ivoire jusqu'à. Ils disent qu'ils ne veulent plus. Comment tu ne connais pas quelqu'un? Elle ne nous connaît pas, cette dame-là. Elle ne connaît pas Sonaki. Elle ne connaît pas Christelle Nazier. Elle ne connaît pas Maman Mado. Mais elle a nevé nos kilotas. C'était comme qu'elle nous a... Elle nous connaissait. C'était vous qui étiez derrière. Il y a un gars de PPACI qui est venu hier sur son panel pour dire que lui n'est pas fâché avec le président de la CU. Lui n'est pas fâché avec lui. Le nom même de Koudou Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Là, j'ai tous les voices ici parce qu'on a enregistré le panel déclaré. Mais je ne viens pas pour montrer ça pour l'instant. Je vais prendre mon temps. On va vous mettre nu. Quand on vous disait que Dieu allait parler dans la vie de Charles Bleu Goudé, vous pensez que nous, on vous mentait?
Quand nous, on vous disait que nous, là, on n'était pas votre camarade. On n'est pas vos camarades. Il a dit, vous et nous, là, on n'a jamais mangé ensemble. Mais Charles Bleu Goudé, là, Dieu parlera pour lui. On vous a dit ça. Dieu va parler pour Zadig Bappé Grégoire. J'ai dit, Dieu va mettre la main sur la vie de ce monsieur-là. Parce que vous êtes des méchantes personnes. Jusqu'à même le parti au pouvoir, les cyberactivistes des partis au pouvoir, nous-mêmes là, nous qui allons nous mettre ensemble pour emmerder Ouattara pour qu'ils puissent mettre le nom de Koudourou Rong Bagba et le président Charles Bleu Goudé sur la liste là, vous nous avez divisés. On est devenu chat et chien. On ne peut pas croiser un cyberactiviste de PPSI et puis on va le saluer. Vous nous avez mis en guerre. Vous êtes méchant. Clarisse Nekpo dit, elle ne veut plus insulter. Clarisse Nekpo dit, elle a besoin de ses frères ivoiriens. Parce qu'elle est une ivoirienne. Elle a suivi les conseils de la team Charlie. C'est pour ça que je suis en joie. Parce que la team Charlie de Zadig Bappé Grégoire, nous sommes des personnes de paix. Nous sommes des personnes de paix. On n'est pas haineux. On n'est pas rempli d'une haine. Quand on monte sur le panel, il faut voir nos langages. On n'a jamais dit à un Ivoirien, oui, à 2025, là, on va vous, j'ai dit, on va vous dire. Nous, on n'a jamais dit ça. Tu ne vas jamais voir un cyberactiviste de la team Charlie qui va dire ce genre de propos-là. Nous sommes des personnes de paix. J'ai dit, tous les cyberactivistes qui parlaient de la violence, c'est ce que nous disons là, c'est ce qui nous condamne. Aujourd'hui, on est sur la toile là. Donc, tu dis non, les cyberactivistes et RADP n'attaquent pas Bleu Goudé. Mais nous, on n'attaque pas parce que vous l'attaquez. Donc, si on va attaquer Ouattara, le président Charles Bleu Goudé sera au milieu de deux feux. Ça veut dire le RADP l'attaque. Le PPSI, il attaque. Il est combien? Il a combien de cerveaux? Il peut piquer une crise. On marche avec ça. La team Charlie, là, on marche avec l'intelligence. Nous, on est très intelligents. On s'est concerté, on a dit, mais nous-mêmes, nos propres parents sont en train de nous enculer ici. On critique Ouattara. Ce n'est pas parce qu'on ne critique pas. On critique à notre manière. Mais on ne dit pas à Ouattara, on ne dit pas à nos parents nordistes qu'à 2025 qu'on va vous brûler. Nous, on ne dit pas ça. Mais vous avez poussé cette jeunesse qui est remplie. Mais de la même manière, Clarisse Nekpo s'est rendue compte. Il y en a plein qui vont se rendre compte pour dire, mais où on va? Clarisse Nekpo dit non. Elle ne va pas être bénie, oui, de Nadi. Clarisse Nekpo dit non. Qu'elle est fatiguée, que vous l'utilisez pour insulter à n'importe quel moment. Clarisse Nekpo dit non. Elle est dans un combat, elle ne sait pas où ça va. Clarisse Nekpo dit non. Que les cyberactivistes de Bleu Goudé ne sont pas ses ennemis. Clarisse Nekpo dit non. Jusqu'à même, le mot que nous, c'est Nathalie et moi qui avons créé, Pepe Adigbeseri qui prend nos pères, c'est nous, on a créé ça. Quand le président Laurent Gbagbo est parti en Côte d'Ivoire, et puis il a créé le PPACI, on a dit que le PPACI là, n'est pas pour le président Koudou Laurent Gbagbo. C'est comme ça qu'on a appelé Pepe Adigbeseri qui prend Norbert, parce que ce n'est pas pour Koudou Laurent Gbagbo. Juste comme ça passe dans la bouche de Clarisse Nekpo. Pourquoi je viens parler? Parce que cette dame que vous sous-estimez, son acquis que vous sous-estimez, je vais casser son papou. Je vais dire au monde entier qui me regarde ici. Cette dame-là, c'est un esprit. Sonaki-Sonak-là, elle n'est pas n'importe quelle femme. Ma partenaire est là et puis je suis en train de dire ça. Un jour, elle s'est réveillée. Elle dit, Félix, dans le mois de juillet, on a croisé... C'était dans le mois. Oui. En juillet, elle a fait le rêve là. Elle dit, Félix, j'ai dit oui. Elle dit, est-ce que tu sais que Clarisse Nekpo va arrêter? Elle va arrêter d'insulter.
Ma partenaire, là, elle va dire, elle va écrire. Elle dit, Clarisse, ce n'est pas que j'ai rêvé. Elle va quitter dans les injures. Quand en rêve, là, je l'ai vue. Elle est venue vers nous comme ça. Elle dit, où je suis en train de te parler, là, il faut écrire. J'ai dit, Clarisse, ce n'est pas, elle dit, c'est moi qui te parle. Tu ne vas plus jamais attendre dans la bouche de Clarisse Nekwe va venir insulter le prétendant Charles Blegoudé. C'est moi, son ami, il te parle. Le rêve que j'ai fait là, il faut écrire ça, cette date là. Quand son ami me dit quelque chose, je dis, oh, toi, tu aimes trop. Elle dit, Fédi, ce que je suis en train de te dire là. J'ai dit, Clarisse Nekwe qui a pris 2 ans pour nous insulter là, elle ne va plus jamais nous insulter. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui va se passer. En août là, il y a un enfant qu'on appelle enfant perdu. On est parti sur son panel. Il y a un monsieur qui a appelé Clarisse Nekpo. Pourtant, avant là, on est monté un jour. Sona qui est monté sur le panel de John avec Balouna Balou. Mais Clarisse Nekpo est venu là. Wouh! On dirait volcan. Avant que Sona qui était déjà quitté là. Mais quand elle est venue, mais c'est qu'elle a montré là. Sona qui était déjà parti. Donc, tout ce terrain là, c'était resté sur Balouna. Jusqu'à même elle était liée à Olivier le Monac. On nous allumait sur le panel des gueules. On était là, on regardait. Sona qui dit ça là, ça va s'arrêter. Clarisse, ce n'est pas que tu as vu là. Ça, ce sont ses derniers injures. Elle ne va plus jamais nous insulter. Il dit, mais tu fais allusion à quoi? Pourquoi tu dis ça? Elle dit, je ne sais pas. Mais à elle, le rêve que j'ai fait sur elle là. Tu ne vas plus jamais voir Clarisse Nekpo déposer sa caméra, venir insulter les cyberateliers de Blegoudé, venir nous insulter, même le président Charles Blegoudé même. Elle ne va plus jamais l'insulter. Elle dit, président, tu mens. Elle dit, d'accord, on est là. C'est la même Clarisse Nekpo. Ça veut dire qu'on n'est même pas rentré à 2025. Le rêve que ma copine a fait là, ça s'est réalisé. Clarisse Nekpo dit que non, elle est fatiguée. À cause de ça, vous faites des panels de 20h jusqu'à 1h du matin. Mais tout ce langage-là, la haine qu'elle dégage aujourd'hui, là, les injures qui est dans sa bouche aujourd'hui, et puis vous dites qu'elle insulte Gbagbo là. Mais c'est vous qui lui avez montré ça. Donc quand ça se retourne contre vous là, ah donc c'est mauvais. Vous, ces femmes-là, vous qui faites des panels là, pour insulter Clarisse Nekpo là, qu'elle insultait le président Charles Blegoudé, vous êtes en train de l'applaudir. Aujourd'hui, c'est retourné dans votre camp. Vous trouvez qu'elle insulte Gbagbo. Ah bon? Ah donc, c'était Blegoudé qui était votre jockey. Elle a compris que dans le combat où elle se trouvait là, c'est un faux combat. Clarisse Nekpo dit, elle a besoin de ses frères ivoiriens. On met la politique de côté, mais nous sommes tous des Ivoiriens. On a besoin de sympathiser. On a besoin d'être unis. On a besoin de causer ensemble. Aujourd'hui, là, elle fait un panel. Elle prend tous les partis politiques. Elle fait un panel. Elle dit, tous les Ivoiriens, vous qui êtes dans les partis politiques, là, venez, on va débattre. Ça a énervé PPAC. Vous voilà là-bas. Mais hier, là, c'est Zadi Gbappé Grégoire qui était devenu votre chien. On pouvait prendre marteau pour le piler. Et puis, ça n'ira nulle part. Vous êtes méchants. Je suis venu pour vous dire ça. Désormais, si ma copine Sonaki fait un rêve et puis elle me dit, Félix, ça là, c'est ça là, je ne vais plus jamais discuter avec elle. Donc, je tiens à dire à ma soeur Clarisse, ce n'est pas que nous là. On t'a toujours dit. Ce qu'on t'avait dit là, tu as compris? Tu as vu? Nous ne sommes pas tes ennemis. Le président Charles Blegoudé n'a jamais été ton ennemi. On ne sait pas que tu t'as touché. PPAC, il cherche à te tuer. Ils vont t'insulter jusqu'à ce que tu as mouru sur nos yeux ici, c'est comme ça. Les mêmes personnes là. Lorsqu'ils s'adressent à toi là, c'est la moi qui te gagne. Prends soin de toi. Hein. Parce que moi, je ne suis pas une personne. Je ne suis pas mauvaise. Parce que moi, je prie mon Dieu. Le Dieu que je prie là, c'est mon Dieu là qui me guide. Quand mon Dieu me guide, quand mon Dieu me dit fais ça là, je le fais. Cet après-midi là, j'ai déposé ma caméra pour dire. La team Charlie, on t'a interpellé. On t'a dit que nous ne sommes pas tes ennemis. La team Charlie de Zadi Gbappé Grégoire, on t'a interpellé. On t'a dit qu'on ne suit pas Blegoudé parce que nous sommes bêtés. La team Charlie de Zadi Gbappé Grégoire, on t'a dit, tu es une Ivoirienne. Dans le combat où tu te trouves là, quitte dedans.
On peut critiquer un politicien, mais tu as déshabillé ton frère ivoirien. Blaise Goudé n'est pas ton frère de même père, même mère. Tu peux le critiquer, mais tu l'as déshabillé, tu l'as mis nu. Je suis venu là cet après-midi, si tu regardes cette vidéo-là. Pour ne pas qu'on te tue sur nos yeux ici-là. Clarisse, n'est-ce pas? Dépose ta caméra, demande pardon. Faut déployer ta caméra. Sinon, ce qui t'arrive, la Sona qui a tout vu. Elle a détaillé tout. Elle dit, les mêmes PPS, ils vont se retourner contre elle. Sona qui a tout dit. Ma copine, et ma partenaire, là, Marie Strivers, là, et puis je suis en train de mentir. Sona qui m'a détaillé. Elle dit, tu vas voir sur la toile ici. Les gens de PPACI vont se retourner contre Clarisse Neko. Clarisse Neko, Sona qui me dit de te dire. Depuis ta caméra, demande pardon. Paye, c'est le même là. Hier là, Tigane Kone dit. Il va plus insulter Blaise Goudé. Hey, il l'a envoyé vers Blaise Goudé. Il faut insulter Blaise Goudé. Quand il a insulté Blaise Goudé jusqu'à mais hier. Tigane Kone a déposé sa caméra pour insulter le président Koudou Laurent Gbagbo. Il est où? Tigane Kone est où? Tu as une mère. Tu as une soeur aussi. On t'a vu sur la toile ici. Hier là. Si tu n'étais pas monté là. Hier là. Je t'ai vu déposer ta caméra et puis défendre Blaise Goudé. Mais quand je regarde les panels qui pleurent là, j'ai très mal. Je ne veux pas que tu meurs sur nos yeux ici. Clarisse Neko, je ne veux pas que PPACI t'assassine sur nos yeux ici. Moi, je ne vais pas à l'église pour fraîchir. Mais j'ai fraîchi genou ici. Dieu m'a guidé. Je viens d'enterrer un corps. Et puis, je suis en noir et je te parle. Tu vas écouter ce que je suis en train de te dire. Je viens d'enterrer quelqu'un avec qui j'ai sympathisé, quelqu'un avec qui je suis resté pendant 4 ans. C'est elle que je viens de mettre dans la tombe. On a regardé Mayiri Ba ici jusqu'à ils l'ont enterré aujourd'hui. Tigane Kone, ils l'ont poussé jusqu'à ils l'ont enterré aujourd'hui. Toi, les injures là, ça tue. Hein? Les injures là, ça tue. Hein? Clarisse Neko, les injures là, ça tue. Hein? Ton cœur est comment? Le président Charles Blaise Goudé, lui, il était politicien, il a pu supporter, mais toi, tu ne peux pas supporter. Bah, tu t'es réveillé à 5h du matin pour faire live. Le combat dans lequel tu te mets là, eux, ils sont nombreux. Toi, tu es seul, tu ne peux pas. Demande pardon à tous ceux que tu as manqué sur la toile ici. Il faut demander pardon à ces personnes-là. Dépose ta caméra. Dieu me dit de te dire. Demande pardon. À ton frère que tu as déshabillé sur la toile ici, là, faut lui demander pardon. Demande-nous pardon, nous-mêmes quand tu ne connais pas, et puis ils sont allés te monter, devenir nous insulter, là, faut nous demander pardon. Demande pardon à Sonaki qui a fait le rêve, et puis ça s'est réalisé, là. Clarisse, n'est pas depuis ta caméra, demande-lui pardon. Parce qu'elle n'a rien contre toi. La team Charlie, là, nous, on n'a rien contre un cyberactivé sur la toile ici. J'ai dit qu'on est là, on parle de la politique. Mais moi, je ne peux pas, je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Parce que la politique, là, apparemment, là, c'était de l'amusement. C'est PPACI, ceux qui ont envoyé les criminels dans la politique aujourd'hui. La cramature, là, il n'y aura personne pour déposer la caméra pour venir te défendre, Clarisse Neko. Tous ceux qui sont allés t'applaudir parce que tu insultais le président Charles Blaise Goudé là, personne ne viendra te défendre. Clarisse Neko, Olivier Le Monaco là, il ne va pas déposer sa caméra pour venir te défendre. Marie-Jeanne Cabri ne va jamais te défendre. Personne ne viendra te défendre. Ce lourd fardeau là, tu vas le supporter seul. Aujourd'hui là, qui te défend? Tu as compris les conseils de la team Charlie officielle. On t'a dit que les RADP là, c'est pas eux tous ceux qui ont pris fusil pour tuer. Ils ont aimé leur leader. Mais on va pas mettre tout le monde dans le même lot. Tous les Ivoiriens qui sont amoureux de Ouattara aujourd'hui là, on peut pas les mettre dans le même lot chez là.
Donc, je ne peux pas voir, là, Guy Chérif, je ne peux pas voir un jeune, les jeunes qui te défendent aujourd'hui, là, les jeunes RADP, là, qui te défendent aujourd'hui, là. Tu as vu Machette dans leurs mains? Non. Mais ils ont vu le travail fait de leur président, c'est pour ça qu'ils le soutiennent aujourd'hui. C'est les mêmes personnes, là, parce que c'était frère ivoirien. Mais aujourd'hui, là, si nous, là, tu ne nous avais pas insultés, si tu n'avais pas insulté le président Charles Blé Goudé, si tu n'avais pas déshabillé le président Charles Blé Goudé, si tu n'étais pas parti déterrer la mère du président Charles Blé Goudé, moi-même, ma mère que tu ne connais pas, tu allais l'insulter copieusement. Tu t'es associé avec des zombies, des racailles, des criminels, les Olivier Lomonac, des criminels. Tu t'es associé avec des personnes pour piler un enfant digne. Moi, je ne parle pas, je ne te demande pas de demander pardon à Blé Goudé parce qu'il est guibérois. Nous, on s'en gabat de son guibérois. Il c'est un président des Ivoiriens. On ne le parle, on ne dit pas, c'est toi qui dis, oui, vous, vous êtes des étrangères. C'est la, celle que tu as traité d'étrangère là, celle que tu as traité de sidienne là, celle que tu as traité de vaurienne là, celle que tu as traité de toutes sortes de noms, Clarisse, ce n'est pas que j'ai tous les voix ici. Mais Dieu, je viens du cimetière. Et Dieu me dit, dépose la caméra, dis à cette fille là. Faut pas, tu vas mourir sur nos yeux ici, ma chérie. Moi à qui tu as parlé mal là. Mais quand j'écoute les panels qui pleurent sur toi là, je ne peux pas. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je ne peux pas regarder quelqu'un comme ça et puis ils vont tuer la personne devant moi. Je ne peux pas. Moi, je ne suis pas une mauvaise personne. Demande pardon à Sonaki, sinon tout ce qui t'arrive là, elle a rêvé. Je parle bien de Sonaki que tu as traité des choses là. Chenille là. Tout ce qui est en train de t'arriver là, Sona qui avait déjà vu ça, elle a dit que tu ne parleras plus pour Babo, que tu viendras, que toi-même tu seras plus proche même des cyberactivistes de RADP. Et c'est ça qu'elle a aujourd'hui. Il a dit, je suis là pour féliciter ma championne, Sona qui Sonaka. Elle n'est pas n'importe qui. Désormais, si vous voyez Sona qui là, respectez-la. Parce que tout ce qu'elle nous dit là, quand ça met du temps, là, ça se réalise. Quand son âme qui se réveille et puis elle t'appelle, elle dit, fais ça, là, ça va se passer, là. Faut même pas discuter. Dans quelques temps ou bien dans un mois, dans deux mois, ça se passe. Elle dit, Clarisse, ce n'est pas va quitter derrière PPSI. C'est moi qui te parle. C'est en juillet, elle a fait le rêve, là. Aujourd'hui, là. Elle dit, si elle ne fait pas attention, elle va mourir. Pour ne pas que tu meurs, là. Moi, là. Je viens te dire, il faut demander pardon. Parce que tellement qu'ils vont t'insulter jusqu'à ce que tu ne pourras pas supporter. Parce qu'ils ont commencé. Hein. Ils disent que, hier là, je suis resté sur le panel de 22h jusqu'à 3h du matin. Les femmes là étaient sur toi. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas. J'ai vu deux morts comme ça sur mes yeux. J'ai vu Mayili Baye, vu Kone Ahmed Tigane. Ils l'ont poussé, jusqu'à après, ils l'ont lâché. Clarisse, ce n'est pas. Demande pardon à Charles Blé Goudé. Demande pardon à la team Charlie que tu as vilipendé pendant 2 ans. Moi, là, je n'ai rien contre toi. J'ai vu la patronne, ma patronne, quand je dis, je n'ai rien, la femme qui comptait l'argent et puis elle me donnait là. Je l'ai vu, ils l'ont mis dans une tombe et puis on a mis du sable dessus. Je rentre dans ma maison, je dis à ma grande soeur que j'ai fait un live. Quand tu es inspiré par Jésus-Christ de Nazareth, quand tu as Dieu dans ton affaire, là, quand tu vois que un danger qui arrive, il faut interpeller la personne. J'ai tous les voices, j'ai tous les vidéos, mais je ne viens pas là pour jouer tout ce que tu nous as dit. Moi, je t'ai pardonné. Clarisse Nepo, je t'ai pardonné. Les filles de Saïwa, là, les Sidiennes, là, je dis... Je t'ai pardonné. Moi-même que tu es enculé jusqu'à là. Il a dit, cet après-midi-là, il a dit, je t'ai pardonné. Par PPACI, là, on s'est trompé sur leur cas. On s'est trompé. On regrette aujourd'hui qu'on a pris nos deux jambes là. Mais je ne regrette pas parce que j'ai libéré aussi mon président.
Mais je regrette aujourd'hui que j'ai déposé ma caméra pour parler de Koudou Laurent Gbagbo. Je regrette cela. Je regrette ça. Je ne savais pas que ceux qui aimaient le président Koudou Laurent Gbagbo, là, c'était des personnes haineuses jusqu'à... Il y a dit une haine même qui ne trouve même... On ne trouve même pas de nom. Des gens qui s'assoient sur caméra pour dire que le président Charles Blé-Goudé va devenir mouche. Quand ils vont enterrer le cadavre là, ils vont enterrer le président Charles Blé-Goudé et le cadavre là. Il a dit, je regrette. Dis-toi que la team Charlie là, nous ne sommes pas tes ennemis. C'est ça que je suis venu dire. Parce que quand tu es dirigé par un esprit là, faut pas dire, faut pas remplir la haine pour dire non, hier m'a fait ça. Moi, je ne peux pas parler. Hier m'a fait ça. Moi, je ne suis pas une personne comme ça. Je prie. Et je crois à mon Dieu que je prie. Et je ne suis pas une femme simple. Donc, quand quelque chose me parle là, je dois lui dire. Clarisse Nepo, amenez-lui ma vidéo. Il faut lui dire. Les filles de Saïwa que tu avais vilipendées, Sonaki que tu as traité de chenille là. Tu as traité de hypocrite là. Tu as dit que Blé-Goudé n'était pas son parent là. Que les Baoulé n'a qu'à aller parler de Kaka Bé là. J'ai dit, c'est elle qui a fait le rêve qui s'est réalisé. Je suis venu casser son papo ici. Si tu es maligne là, tu es vraiment dans le bon combat. Dans ce combat là, tu es dans un combat de réconciliation. Tu t'es mis dans un combat de paix. Tu dis tu ne veux plus chasser tes frères ivoiriens. Tu peux critiquer Ouattara, mais tu vas le critiquer sur le plan politique. Mais de la manière tu venais insulter les politiciens, tu dis tu ne le fais plus. Tu es dans un vrai combat. Dieu dit, il t'a accepté, mais demande pardon à tout ce que tu as manqué. C'est ça que je suis venu dire. Reste forte. Dieu avec toi. Parce que je suis tombée sur trois panels pour toi seul. Trois panels. Tu es une simple femme. Maïliba n'a pas supporté ça. Sa dernière vidéo, elle dansait comme ça. Ils veulent me tuer. Ils veulent me tuer. Elle est morte aujourd'hui. Elle est morte aujourd'hui. Ils disent que où tu es là-bas, là, c'est là-bas qu'ils vont chercher. Et puis ils vont te garder. Hier nuit, là, je suis resté sur le panel jusqu'à 3h du matin. Je n'ai pas dormi. Et puis, c'est là maintenant le rêve de ma copine, Sona, qui m'avait dit que Félix, si elle ne fait pas attention, là, elle va rester dedans. Clarisse Nepo, demande pardon à Sona. Demande pardon à tout ce que tu as insulté sur la toile ici. Demande pardon. Sona qui n'a rien contre toi. Tu ne nous connais même pas. Je viens d'enterrer un corps. Clarisse Nepo, je viens d'enterrer quelqu'un avec qui j'ai mangé sur même table. Je viens de l'enterrer. Je suis encore dans les habits. Et puis je te parle ici. Place ta caméra. Demande pardon à Charles Blé-Goudé. Demande pardon à toutes ces personnes à qui tu as manqué du respect. Demande-leur pardon. Dieu va te sauver, ma chérie. Sinon, le PPACI qui te suit là, ils vont te détruire. Je te le dis, ouah. Allô? Oui. Donc, famille, je viens du cimetière. J'ai une soeur qui m'appelle. Peut-être elle veut intervenir. Allô? Hein? Non, je suis en direct. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'était sur cette petite vidéo-là pour casser un papo. Je suis Clarisse Nepo parce que depuis hier, je vois des vidéos, des panels qui pleut, pour une seule personne parce qu'elle dit qu'elle ne veut plus insulter. Elle dit qu'elle ne veut plus insulter. Elle dit qu'elle ne veut plus se mettre dans le combat. Elle dit qu'elle ne veut plus faire ce qu'elle faisait avant. Venir rabaisser les politiciens. Vous voulez couper vidéo là? Sinon, j'ai déjà fini de parler. Si vous voulez couper, vous coupez. Moi, j'ai déjà dit ce que j'allais dire. J'ai dit, ma copine Sonaki, si vous la voyez là, ne la sous-estimez pas. Voilà. Tout ce qu'elle avait dit là,
Si Clarisse ne pose, c'est ce que Pépé a essayé en train de faire sur TikTok là-bas. Désormais, ma copine, tu es au travail. Mais respect pour toi. Derrière toi, là, il n'y a rien.